بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورحمة. بون، أما بعد أو أما قبل، on va remarquer une liaison entre le début d'un chapitre et sa fin. Et on va prendre comme cas particulier Al-Jathiya. C'est-à-dire l'agenouillé. Agenouillé, en anglais, on dit le bowing de knee. Knee, c'est le genou. Donc, bowing, c'est-à-dire comme soumise à Dieu en position agenouillée. Dieu dit au début, Hamim, c'est le sixième chapitre qui débute par Hamim. Le sixième ou le septième. Alors, il y a le Hamim, une série de Hamim. Ce chapitre-là est l'avant-dernier ou le dernier de ces Hamim-là. Dieu dit Hamim, et nous avons vu pourquoi Dieu débute certains chapitres par ces lettres associées ou uniques. Sad, Kaf, c'est unique. Puis il y a un double, Hamim, il y a un triple, Al-Flamim, il y a Kafa'i, il y a Sat, etc. C'est-à-dire, tout ça contient un secret que Dieu seul connaît. Mais peut-être Dieu nous attire l'attention que si on jette un coup d'œil bien scientifique sur le nombre des lettres Ha ou Mim dans ce chapitre-là, on va voir que le Ha, il est plus cité que le Mim. Et puis peut-être ces Ha, la totalité de ces Ha et la totalité de ces Mim-là sont des multiples de 19. Peut-être. Donc, on va voir Ha Mim, Tanzil al-Kitab min Allah al-Aziz al-Hakim. Donc, Dieu nous rappelle que ce Coran-là a été révélé par la descente de Gabriel, l'archange Gabriel, que la paix d'Allah soit sur lui. Tanzil al-Kitab min Allah, c'est-à-dire il émane de Dieu. Al-Aziz al-Hakim, l'Aziz, le maître, Seigneur, l'invincible, etc. Al-Hakim, le sage avec un grand S, c'est-à-dire qui met les choses à leur place et leur donne leur valeur comme il le faut. Elle a fait Samawat, dans le temps et l'espace. Elle a fait Samawat, c'est-à-dire dans les cieux, les firmaments et la terre, il y a des signes, il y a des miracles, il y a des prodiges voulus par Dieu. Les mu'min, c'est-à-dire ça va être comme ça pour les croyants. Pour les autres, c'est comme rien. La nature n'existe pas, ou bien elle existe superficiellement pour eux. Il n'y a pas de signe, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de prodige, il n'y a pas de miracle pour ces gens-là mécréants. Ils n'ont rien compris, ils n'ont rien su, ils ne peuvent pas être des gagnants. Ils sont que des, comment dirais-je, des perdants parce qu'ils ne veulent pas voir la réalité des choses. Et la samawati ou l'ardi la ayat lil mu'mini, donc c'est exclusif à nous. Wa fi khalqikum, vous voyez, nous sommes une minorité. Nous sommes bien lotis, bien nantis, bien, riches. Vraiment, nous sommes riches par ces vérités-là, parce que Dieu, il expose ces signes-là pour qu'on les utilise, qu'on exploite ces signes-là pour notre bonheur et pour le bonheur des autres d'une façon indirecte. Parce que, par exemple, faire des vidéos de ce type-là, c'est pour vous, si vous voulez bien tirer quelques leçons, si vous voulez bien, avoir un gain dans la science, un gain dans la littérature, un gain dans l'histoire, un gain dans les sciences humaines en général. Et là, c'est-à-dire votre création, ou vous, les faqalay, les deux types de responsables, et tous les animaux, c'est-à-dire tout ce qui est mobile, qui est animé, c'est aussi, il faut le voir comme il le faut.
Ayatul Iqam et Yukul, ce sont des signes pour les gens qui ont une conviction.